Hello les aficionados et bienvenue sur Cigar TV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo d'un accessoire d'un briquet de table. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai découvert cette marque, la marque Palio, une marque américaine, il y a quelques mois et d'ailleurs j'avais réalisé une vidéo sur deux briquets jet et donc j'ai pu mettre la main cette fois-ci sur ce briquet de table, donc le Palio Ballista. Disponible en plusieurs coloris, j'ai choisi la version alu-brossée parce que je trouve ça vraiment sympa au niveau du coloris. Et puis surtout dans le temps, je remarque que l'alu-brossée s'abîme un peu moins lorsque l'on met le briquet dans la poche. Alors vous allez me dire, un briquet de table dans la poche. Oui, c'est là que je trouve la force de ce Palio Ballista. C'est simplement qu'il s'agit, oui, d'un briquet de table, donc qui trouve sa place aisément sur un bureau ou bien encore dans un salon, mais il n'est pas trop grand et il permet par conséquent aussi d'être mis dans la poche lorsque l'on part par exemple un long week-end ou une semaine en vacances et que l'on souhaite avoir un briquet qui a une très grande réserve de gaz. Donc comme tout briquet de table ou briquet tempête, il suffit d'appuyer et on a une magnifique flamme chalumeau qui permet d'allumer ses cigares quelle que soit la météo environnante. Alors on a ici en dessous du briquet une petite molette qui permet facilement de régler l'intensité de la flamme. Donc attention d'ailleurs à ne pas mettre, je trouve, la molette au maximum car là la flamme devient très puissante, voire peut-être trop puissante et on risque d'abîmer son cigare au moment de l'allumage. Donc il suffit tout simplement de le mettre au minimum ou à la moitié. L'avantage de pouvoir régler d'ailleurs cette molette au maximum, c'est lorsque l'on vient à court de gaz. Là, dans ces cas-là, en réglant la molette au maximum, on retrouve une flamme suffisamment conséquente pour pouvoir allumer notre cigare. Alors, pour recharger, c'est très simple aussi, hein, c'est la valve qui se situe au même niveau que la petite molette. Et pour l'avoir déjà rechargée à plusieurs reprises, je n'ai absolument rien à dire à ce niveau-là. Ça marche, ça tient le coup, on n'a pas de soucis au niveau de la recharge. Alors, parlons tarif. Là, encore une fois, Palio frappe fort, on est à moins de 50 euros. On est, on va dire, entre 40 et 50 euros suivant le revendeur, qu'il s'agisse d'un revendeur physique ou bien d'un revendeur notamment sur Internet. Donc là, tout simplement, pour moi, c'est le briquet de table peut-être le plus abordable du marché. Et comme je le dis, ce que je trouve intéressant avec ce briquet de table, c'est qu'il peut être aussi mis dans la poche, tout simplement lorsque l'on souhaite avoir un briquet, je me répète, avec une grosse quantité de réserve de gaz. Évidemment, concernant la fiabilité du briquet, pour l'instant, je l'ai que depuis quelques semaines, donc je ne peux pas dire ce qu'il vaut sur une année, deux années, trois années. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la marque Palio, pour avoir notamment les deux briquets Tempête Chalumeau que je vous avais présentés sur la chaîne, maintenant cela fait plusieurs mois et je n'ai absolument rien à dire sur la fiabilité de ces briquets. D'ailleurs, comme toujours, je tiens à rester transparent vis-à-vis de mes vidéos. Là, cette fois-ci, contrairement à la dernière vidéo où je m'étais procuré par mes propres moyens les deux Palio que je vous présentais, cette fois-ci, la marque m'a mis à disposition ce briquet pour que je puisse le tester en condition. Concernant les coloris, on a là donc de l'argenté, de l'alu brossé, du noir, du rouge, du bleu, bref, de quoi trouver aisément la concordance avec votre intérieur. Amis aficionados, vous l'aurez compris encore une fois, j'avoue, je suis totalement convaincu par cette marque au rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à souscrire et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigar TV.